Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, d'accord? Tu es libre de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications et voir quand les vidéos vont sortir. Donc je m'appelle Jonathan Hachi. Le but de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de pouvoir devenir indépendant financièrement, libre géographiquement, voyager, d'accord? Si jamais c'est ce que tu veux faire. Et ben voilà, et passons directement au sujet de la vidéo. C'est choisir la passion et non l'argent. Ok, donc c'est super important, la passion et non l'argent. Les gens comme Bill Gates, les gens comme Steve Jobs, les gens comme Warren Buffett, les gens comme... comment il s'appelle le gars d'Amazon? Jeff quelque chose. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, tu vois. Il n'y a pas de secret, tu vois. Si jamais tu as la passion, il n'y a rien qui va t'arrêter. Parce qu'en fait, la différence avec les personnes qui ne sont pas passionnées par ce qu'ils font et toi qui seront dans le même marché, qui est passionné, c'est tout simplement que toi, tu ne vas même pas ressentir le fait de travailler. Tu vois, tu vas, pour toi, ce sera normal. Et donc, du coup, tu vas toujours travailler plus qu'une personne qui n'est pas passionnée par ce qu'elle fait. Ok? Donc, moi, à titre d'exemple, moi, à un moment donné, je devais faire le choix. Quand j'ai commencé à avoir lancé cette chaîne YouTube et ce business en ligne par rapport à cette chaîne YouTube, j'avais deux choix. J'avais déjà une entreprise dans le soin à domicile, d'accord? J'avais déjà même un employé. Et donc, ça tournait déjà bien. Franchement, ma vie, elle aurait été tranquille pour le reste de ma life, ok? Mais c'est juste que ça ne me passionnait pas, tu vois. J'aurais pu développer, continuer à développer, je ne l'ai pas fait. J'ai choisi en fait de partir sur vraiment la création d'un business en ligne, enfin, mais focus vraiment sur la création d'un nouveau business en ligne, parce que j'avais déjà créé un business en ligne sur le saxophone, mais j'ai décidé de me consacrer sur la création d'un nouveau business en ligne, ok? Maintenant, j'avais le choix. Ou je restais dans mon business en dur de soins à domicile que je développe et voilà, j'aurais été tranquille, tu vois, ou je me mettais dans un truc qui me passionne, d'accord, je lisais des livres, j'écoutais du contenu, je me formais tous les jours sur le marketing digital, sur le business, le développement d'un business, et surtout j'avais bien constaté que je serais plus libre en faisant le business en ligne. Et vu que c'est une de mes valeurs fortes, je me suis dit, je prends le risque. Je préfère arrêter l'entreprise de soins à domicile parce que tu ne peux pas te consacrer sur deux entreprises en même temps. Donc ça, il fallait faire le choix. Tu vois. Donc j'ai décidé d'arrêter l'entreprise de soins à domicile et de me concentrer uniquement sur Internet. Donc au début, c'était un choix vraiment difficile parce que là, je gagnais déjà bien ma vie. Et là, je repartais à zéro. Donc sans revenu, sans rien. Okay. Mais voilà, je me disais, même si je gagne même ce ne serait-ce que 2000 euros pour commencer avec mon business en ligne, ce sera suffisant pour pouvoir commencer à bouger, pouvoir commencer à voyager. Et je suis sûr que je serai plus heureux parce que je suis passionné par ce que je fais. Et en plus, l'effet de levier, tôt ou tard, à un moment donné, il va pouvoir être beaucoup plus élevé que sur celui du soin à domicile. Okay? Donc, j'ai choisi la passion plutôt que l'argent. Voilà. Donc, c'est super important et ça va me donner raison. D'accord? Et ça m'a donné raison. Bien sûr. Ça m'a donné raison maintenant. Donc voilà, la passion, c'est pour ça que je peux faire une vidéo par jour, parce que je suis passionné par ce que je fais. Tu vois. Si tu n'es pas passionné, tu ne pourras pas suivre ma cadence. Ok. Si tu vis sans objectif dans ta vie, il y a un problème. À un moment donné, tu dois être malheureux, si ce n'est pas possible en fait, de vivre comme ça. Hop, là, tu es là, tu manges, tu te lèves, tu pisses, et puis après, tu fais quoi après, Tu sais pas ce que tu fais, tu achètes une maison, tu as tes enfants et tu t'attends tes enfants grandir. Non. Dans la vie, il faut que tu aies des objectifs, que ce soit même pour le couple, que ce soit pour toi personnellement. Ok? Donc, super important pour que tu puisses t'accomplir. Tout ce qui n'évolue pas meurt. D'accord? Dans toute la nature, tout évolue. Même la galaxie, elle évolue. Je ne savais même pas. Ok? Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Même la galaxie, elle évolue. Tout évolue dans ce monde, en fait. D'accord? Donc toi, tu es obligé d'évoluer. D'accord? Même les entreprises, elles évoluent. Si elles n'évoluent pas, elles meurent. Ok? Tout évolue. Donc il faut que toi, tu évolues. Tu ne peux pas juste sortir de l'école et dire « Ouh, super, c'est fini et attendre de mourir. » Tu vois? Non. Il faut que tu évolues. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.